c'est bien vrai. Mon Dieu, non, vienne faire au compliment. Mon Dieu, non, vienne dire au nom content. Pour toutes sortes et faire au nom. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, et l'Église célèbre la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble le Seigneur. Seigneur, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée. Fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est extraite du premier livre des rois, le chapitre, les versets 29 et suivants. Sous le règne de Salomon, Jéroboam était inspecteur des travaux des deux tribus d'Éphraïm et de Manassé. Un jour, qu'il était sorti de Jéricho, arrêté en chemin par le prophète Aïas de Silo. Celui-ci portait un manteau neuf et tous deux étaient seuls dans la campagne. Aïas prit le manteau neuf qu'il portait
et le déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Voici que je vais déchirer le royaume en l'arrachant à Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Il lui restera une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que je me suis choisie parmi les tribus d'Israël. Les 10 tribus d'Israël rejetèrent la maison de David, et cette situation dure encore aujourd'hui où ceci est écrit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons ensemble le psaume 80. Et après chaque strophe, nous dirons, écoutons la voix du Seigneur notre Dieu. Écoutons la voix du Seigneur notre Dieu. Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Écoutons la voix du Seigneur notre Dieu. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Écoutons la voix du Seigneur notre Dieu. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierais ses ennemis. Contre ses oppresseurs, je tournerai ma main. Écoutons la voix du Seigneur notre Dieu. Écoutons la voix du Seigneur notre Dieu. Qu'il vous plaise de vous mettre debout pour accueillir et acclamer l'Évangile. Bravo les vies pour l'exemple, éclairé avec le miel. Bravo chanter à tout cœur. Alléluia, vive grand maître. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Zami dim ki les liens, li ki change la vie non, qui claire à parole lia, isobi à parole lia. Bravo Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus quitta la région de Tyr, passant par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd muet et on le prie de poser la main sur lui. Et Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit,
c'est-à-dire ouvre-toi, ses oreilles s'ouvrirent. Aussitôt, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de ne rien dire à personne, mais plus il leur défendait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait, « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Bravo, relevé pour Nexa, qui éclaire avec le miel. Bravo, chanté à tout que nous. Alléluia, vive grand maître. Tout ce que Jésus fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Renommé Jésus continue à grandir parce que le Pachem Suspan réalisait des miracles. Marc rapporte non que Jésus lui allait dans un territoire de la Décapole. C'est 10 villes païennes. L'on parlait de Déca, 10 Décapole. Donc Décapole là, c'est 10 villes païennes, 10 territoires païens. Donc c'est là Jésus quittait territoire juifio et puis l'aller dans le territoire païen yo, pour être capable de réaliser des miracles. Et nous allons voir comment que dans tout l'évangile, nous allons voir comment païen yo fait bon accueil à la parole de Dieu. Bon, païen yo fait accueil à la bonne nouvelle. Ils ont accueilli Jésus, ils ont manifesté la foi. Et c'est tout ensemble qu'ils sont venus beaucoup de Jésus pour que Jésus soit capable de poser main sur eux. Jésus posait main sur eux. Jésus va reconnaître comment que nous tous qui là, nous chacun qui là, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin, bon Dieu, de poser la main sur nous. Quand maintenant, il a besoin d'un paquet de paroles pour réaliser merveilles dans la vie, non. Il a seulement besoin de faire un geste. C'est ça que fait, nous-mêmes, comme chrétiens, en pile foi, nous manifestons la foi, non. Nous disons, Jésus, si vous voulez, ou capable, et en pile, mon avec ces paroles, ça seulement, jouez dans pile merveille, en pile miracle dans la ville. Quand maintenant, si vous voulez, ou capable. Jésus a besoin seulement déposer, même bénir la sous pour qu'il soit capable ou même guérir. La foi pour la tellement grande. Il n'y a pas moins de Jésus pour le faire gros scène. Il n'y a pas moins de Jésus pour faire gros signe. C'est seulement poser même sur eux. Il dit que tu vas mener Jésus dans. Jésus t'a mené à l'écart, il y a un monde qui a voté pour lui. Mais le monde, ça, il était sourd, muet. Il n'est pas capable de parler. Et puis il était sourd. Mais le mot qu'il a utilisé, c'est beg. Il y a un monde qui a gagné un langage qui a été grâce lourd. Ça veut dire qu'il prend du temps pour le parler. Il n'y a pas un langage qui est clair. Ce monde a un langage lourd. Et Jésus t'a pris le monde pour le mener à l'écart. Jésus voulait l'entendre des paroles là. Sous mieux, qui ça symbolisait? Il symbolisait l'humanité qui est réticente pour écouter bon Dieu, pour proclamer parole bon Dieu. Et qui ça, mon Dieu, voulait? Il voulait pour nous écouter. C'est ça qui fait le toucher les oreilles et les bouches. Parce que bon Dieu voulait que nous capables d'entendre, que nous capables d'écouter. Donc, tendez parole et mettez en application, livrez nous également proclamer parole. C'est pour ça, il touche l'anglais, un jeune homme ça qui symbolisait l'humanité entière. Et Jésus Bréal dit, Ephphatha, ouvre-toi.
ou même qui a un problème qui a saccagé ou. Ou même qui a un problème qui bouche la vie ou qui fait pas avancer. Mais Jésus veut dire et fatal dans la vie aujourd'hui hein, pour le petit problème non bon passé ouvre-toi. Ou même qui peut-être gagne un problème qui a saccagé ou depuis des années, une maladie qui a bouleversé ou depuis des années qui bouche la vie ou qui fait pas capable de contrer avec frère avec sœur qui met à l'écart dans la société hein. Mais Jésus veut dire mot ça dans la vie aujourd'hui hein. Jésus veut dire et fatal. Et Fata qui veut dire ouvre-toi. Mais pour le dire, faut capable manifester la foi, faut capable aller bon côté, faut capable mettre au tout petit et croire que le capable guérir pour que le capable dire mot ça et Fata dans la vie. Mais après Jésus fait un miracle malgré il t'est interdit jeune homme pour te parler ça. Mais c'est à toi jeune homme de parler ça et renommer Jésus d'après reprendre sur tout côté le dans toute Judée dans la décapole parce qu'avec un merveille si là monde pas arrêter sans bouche pas parler y a parlé y a pas annoncé des merveilles bon Dieu vient faire dans la vie ou pas arrêter sans pas parler ou pas arrêter sans pas proclamer ou pas arrêter sans pas faire louange à compliment pour bon Dieu parce que c'est lui même seul qui t'a fait merveille ça bon c'est lui seul qui t'a fait sortir côtoyer c'est lui seul qui t'est capable pour la guérison ça donc on vient pas capable pas parler on vient proclamer quand lui merveille bien fait mais c'est ça qui est arrivé après Jésus vient faire miracle ça et plus là dit pas parler parce que personne monde connaît d'ailleurs pour faire miracle ça il prend jeune homme dans aller à l'écart c'est pas bagage que lui exposé mais malgré ça mon ap konnen y a parlé et je dis à frère msem nous gagne pour demander bon Dieu un témoignage nous même tout dans la vie nous même Jean jeune homme ça te jeune témoignage parle témoignage ça que t'a pas fait le dit tout côté que bon Dieu grand tout ça Jésus fait lui admirable ou même tout jeune je dis à au besoin un témoignage tout neuf au besoin un témoignage vivant. Mais fais mon Dieu confiance, agis la foi pour que le capable dit et fata et avec fata ça ou le capable dit en pile bagaille que mon Dieu fait pour ouvrir cœur, ouvrir la vie pour que Jésus capable rentrer, demeurer et pas au témoignage. Même j'ai été rentré dans la vie Sainte Bernadette qui va le faire à Lourdes dans grotte Massabiel d'après rencontrer avec Marie, la Vierge Marie. Il dit que Bernadette, pendant qu'il a ramassé bois avec 200 000, 300 000, il avait fait rencontre ça avec la Vierge Marie. Et à partir de 11 février, Marie a apparu pendant 18 fois à Sainte Bernadette. Avec la fameuse phrase ça, je suis l'Immaculée Conception. Marie a apparu confirmer dogme ça avec Bernadette pour dire oui je suis l'Immaculée Conception. C'est parce que Bernadette t'est ouvri cœur, il t'est venu rencontrer avec bon Dieu qui fait l'aller le retourner en première fois, les retourner en deuxième fois, le retourner en troisième fois etc. pour la rencontrer avec Marie pratiquement 18 fois. Nous même nous qui rencontre que nous avons besoin faire dans la vie nous. Nous voulons rencontrer avec la Vierge Marie. Nous voulons rencontrer avec Christ là, avec Jésus. Nous voulons rencontrer avec bon Dieu dans la vie, non. Mais faut-il bien pour que nous manifestions la foi, nous, que nous l'ouvrions cœur, nous, pour nous voir que merveille, bon Dieu, fait dans la vie de Sainte Bernadette, il est capable de faire dans la vie, non. Je dis, si l'Église là a fêté Notre-Dame de Lourdes, c'est pour dire que nous devons connaître que ça, bon Dieu, voulait pour nous, c'est mener une vie dans la conversion, dans la pénitence. C'est ça, Marie, demandé Sainte Bernadette pour lui faire comprendre, pour lui faire connaître. Je ne dis pas, l'autre tournée, un grand lieu de pèlerinage, un gros lieu de pèlerinage dans grotte ça. Des centaines, des milliers de chrétiens, et pas seulement chrétiens, musulmans, bouddhistes, et un pile monde, aller dans l'espace, aller dans le lieu ça. La prière.
Bon Dieu t'a fait merveille dans la vie, Sainte Bernadette. Bon Dieu capable de faire merveille également dans la vie. C'est l'ouvrir cœur. Ou même qui est malade, fais bon Dieu confiance. Ou même qui a des problèmes qui s'accagé, fais bon Dieu confiance. Ou même qui est dans la tribulation, fais bon Dieu confiance. Ou même qui est pour compte, fais bon Dieu confiance. Ou même personne ne va dire, ouais, fais bon Dieu confiance. Rencontrer avec lui, l'abdi est fatal dans la vie ou, et tout problème va kaba. Il suffit tout simplement que vous croyez. Croyez dans bon Dieu et merveille après réaliser dans la vie. Nous. À demander bon Dieu, frère Monsieur, à travers l'Eucharistie, ça, pour prendre la grâce, pour rencontrer avec lui. Même Jean, jeune homme qui était sous muet, a été rencontré avec lui, il était joué une guérison. Même Jean Sainte Bernadette était rencontré à Lourdes, dans la grotte de Massabiel, avec Marie. Il était joué une délivrance. Il était joué une, la ville devait changer, il devait transformer. Il devait le permettre en pile pèlerin, capable de visiter grotte, ça, espace, ça, et la prière. Et jeune homme, pile guérison. Et jusqu'à présent, à travers God, ça, Marie manifestait présence dans le monde, bon Dieu manifestait merveille, puissance, et en pile, le monde continue à jouer une guérison pour que nous-mêmes, dans la façon que nous agissons la foi, nous, que nous manifestons la foi, nous, pour que nous sommes capables de rencontrer avec bon Dieu et bénéficier de merveilles, bon Dieu, de la grâce, bon Dieu. Même Jean, Marie, qui manifestait tendresse à Bernadette. Bon, ça va manifester tendresse avec nous. Et bon Dieu, va faire nous jouer une guérison, va faire nous jouer une délivrance, va faire nous jouer une libération dans nos papas, petites là, avec l'Esprit Saint. Voici, Seigneur Jésus, toi qui te donnes sans mesure. Voici, je t'offre tous mes travaux, je t'aime, mon simplement d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange, qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous apporte le salut de l'Esprit et du corps. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde sauveur ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons.
faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, te demandons qu'en ayant par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Je veux toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Je veux toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son préchaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Jésus, on sait pain qui paye la vie. Non connaît, c'est vous-même qui dans le ciel. Non joint de ça, grâce à mon bâti. Merci, merci Jésus, vous qui paye, nous mangez ça. C'est manger tout bon. Si on pas manger, on pas sa gain la vie. Parole qui claire, pas mon des discussions. Non quoi non vous, non quoi non manger ça. Jésus, c'est pas qui paye la vie. C'est au même qui dans le ciel. Nos joies ne fait ça, grâce à mon bon mari. Merci Jésus, pour qui paye nous manger ça. Thank you.
je dirai, Dieu seul est grand, je dirai, Alléluia, Dieu seul est grand, Alléluia. Je bénirai le Seigneur en tout temps, je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Prions ensemble le Seigneur. Tu nous rassasies, Seigneur, en nous donnant le pain du royaume. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Litanie de Notre-Dame de Lourdes. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père céleste qui est Dieu, aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, aie pitié de nous. Trinité sainte qui est un seul Dieu, aie pitié de nous. Notre-Dame de Lourdes, Vierge Immaculée, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Mère du Divin Sauveur, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes qui avait choisi pour interprète un enfant faible et pauvre, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, 18 fois bénie dans vos apparitions, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes qui avait fait couler sur la terre la source qui guérit tous les maux, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, dispensatrice des dons du ciel, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, à qui Jésus ne peut rien refuser, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, que nul n'a jamais invoqué en vain, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, consolatrice des affligés, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, qui guérissait les malades, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, qui guérissait l'espoir des pèlerins, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, qui priait pour les pécheurs, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, qui nous engageait à la pénitence, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, soutien de la Sainte Église, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, avocate des âmes du purgatoire, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Vierge du Très-Saint, Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Priez pour nous, Notre-Dame de Lourdes, afin que nous devenions dignes. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le Saint-Michel-Archange, Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Rappel, sorti 17 février pour arriver 18 mars, paroisse Altagrâce a organisé une trentaine de prières à Saint-Joseph. On nous préparé, non, pour nous capables de participer dans 30 jours de prière, ça. Nous avons demandé Saint-Joseph, gardien l'église, là, protecteur de l'église, là, les mêmes tout qui sont protecteurs de famille, pour protecteur tout le monde, à tout le monde qui a une difficulté. Même si j'en étais campé pour côté maman, Marie, avec Jésus, j'en nous ça dans l'icône de la grâce là, pour les camper avec nous, pour les camper avec la famille.
pour lire et de nous joindre tout ça nos besoins. Disposez-vous pour la bénédiction finale. Avant bénédiction, nous voulons souhaiter joyeux anniversaire de naissance à Adeline Exumé, Agnès Angèle de Chavigny, Bernadette Simon, Brianna Keisha Paul-Chol, Chloé Grace Franklin, Christiane Bouillon, Jean-Béni, Sidney Lorenzo, Muquette Jean-Baptiste. Bonne fête à ce nom, Muquette. Muguette Jean-Baptiste, donc toujours là, ensemble avec nous, aidez-nous la prière tous les soirs. Non, prière du soir, yo. Révérend Père Gilbert Nérilus, qui a fêté les mêmes tout. Suge Wagnac, Yannick Crèvecoeur, c'est un bon fidèle paroisse également, donc c'est des bonnes fêtes. Isabelle Sineas, Anaïla Toussaint, Christian Lafontaine. Bonne fête. Marie-Ketli Bernadelle Veltus nous dit bonne fête. Lourdie Etienne, Marcelo Joseph McKinley, Marie-Laude Robin, Mitch Duverneau, Nadia Ligonde, Bartold nous dit bonne fête. Et puis il y a Madame Lourdes Balthazar, qui est professeur dans l'école Notre-Dame d'Altagrasse, lui-même tout qui a célébré l'anniversaire de naissance. Non, non, tout ce sur l'école là, nous dit Madame Lourdes Balthazar, bonne fête. Et maintenant, nous disposons, nous sommes capables de recevoir bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci, mon Père, Pavel. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. En votre image, voyez vos enfants, agréez l'hommage de leur plus beau chant. Ave, ave, ave Maria. Non, c'est un peu mon Dieu. Attention de faire là.
bon moyen. Je vous salue. De Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Mais de... Partout, je vous salue Marie, Vierge bénie. Vous êtes dans nos cœurs, lumière et tout esprit, mère de tous les cœurs. Malade, boiteux, traînant, près de la source. Ils implorent son pardon, demandent guérison. Et chers frères bien-aimés, méditons maintenant le quatrième mystère douloureux. Vous pensez que Salman de Assou Balil soit la quitte en repos, bien soit la marcher ensemble avec vous.
C'est parce que, en pile fois, nous besoin considérer, nous besoin comprendre que nous pas même logique. La logique du monde, c'est une logique d'intérêt. C'est intérêt qui guidait le monde, c'est intérêt qui guidait les enfants du monde. Donc, chef tempio, c'est intérêt qui guidait yo. Yo gen yon temp y ap géré, yo gen yon temp y ap dirigé, moun ap bay. Vous êtes béni entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Lourdes, Notre-Dame de Lourdes. Je dis à donc, c'est égal. Ils demandent à leur mère de porter près du père les regrets de leur cœur. Je vous salue Marie, une prière. Mes yeux cherchent dans les cieux notre mère, son amour est partout. Je vous salue Marie, Vierge bénie. Vous êtes dans nos cœurs, lumière et tout esprit, mère de tous les cœurs. Malade boite traînant, près de la source coulant, ils implorent son pardon, demandent. À commémorer, à célébrer l'apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous, à la grotte de Massabielle, de cet endroit communément appelé Lourdes. Donc, l'apparition de la Vierge à Lourdes, on est capable même de dire, de manière plus courte, Notre-Dame de Lourdes. Je dis à donc, c'est également un jour que l'Église catholique mettait à part pour prier spécialement pour tout le monde qui est malade. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé de ces deux commémorations? Anniversaire, première apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous, qui était faite dans la grotte Massabielle, le long du Gave, le 11 février 1858. Il est donc concomitant avec Journée mondiale des malades, Journée mondiale de prière pour les malades, ou encore Journée de guérison dans l'Église catholique. Donc, et ça nous capable dit, c'est que dans la journée ça, nous éviter pour nous prier en pile. Fais chapelet, mais surtout fais le rosaire. Rosaire la vle dit, fais trois chapelets. Après vidéo donc, comme nous faisons premier avec au matin, on va faire une en milieu de journée, en deuxième en milieu de journée, puis en troisième à la fin de la journée. Donc je vous dis, de 1858 à 2022, ça fait nous environ, on nous dit, 166 ans. Depuis donc, accompagné de sœur Lee avec un autre ami, une petite demoiselle qui est Bernadette, t'as parlé l'enragé, hein, qui relait Massabielle, le long de la rivière Gavla,
pour te ramasser zo avec bois qui mourit, fait branche bois qui cassé. Li retire bas qui était dans pied alors qu'on elle fait fret. Et mon yo mette bas. Alors l'époque ça fait pas de connait mettre pantalon. Yo gen grand robe yo sou yo, mais yo gen bas qui pour protéger pied yo contre fredu. Donc li retire bas qui dans pied pour le traverser ti gloire, son ruisseau. Comme ça pour aller dans grotte là pour le ramasser zo avec branche bois qui cassé. Et puis c'est là Bernadette qui racontait ça très bien, il y a des bruits qui semblaient avec un coup de vent. Un coup de vent qui soufflait fort là en poteau, là en mur. Le lever tête l'hiver à grotte là. Alors pour me reprendre exactement mot que Bernadette utilisait yo. Bernadette dit donc, j'aperçus une dame vêtue de blanc. Moi, j'aperçois une dame qui habillait tout de blanc. Donc, Bernadette continue, elle dit, elle portait une robe blanche, un voile blanc également, une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied. Hein? Alors, pour prendre pour vous. Donc, Bernadette dit, moi, apercevoir une dame qui habillait tout de blanc, li te gen sou li on robe blanche, li gen yon voile blanc, voilà, mais ceinture li bleu, et li gen yon fleur jaune sur chaque pied. OK? Et puis, Bernadette dit, qui ça me fait, le ça? Moi, fais le signe de la croix, elle fait au nom du Père, et puis réciter chapelet avec dame. Hein, ou là, il reste chapelet avec dame. Et puis il dit, la prière finie, dame disparaît brusquement. Quand il finit de prier, dame disparaît brusquement. Et puis, il prend le dame 17 l'autre fois, jusqu'à 16 juillet, 1858. Et c'est le ça, dame Nabral dit, je suis l'Immaculée Conception. C'est-à-dire, moi c'est celle-là qui fait sans péché. Dame continue, elle dit, moi c'est Marie, moi c'est Maman Jésus. Donc, livre les expliquer, dame, que tout s'allier, l'été faite, l'été exécutée pour être capable pour tes petites bon Dieu à l'envente. Donc, tout ça dans lit, c'est pour petit bon Dieu à être capable de jouer une sorte de berceau, un récipient pour être capable de venir au monde. Alors, ben, moi, prends pour nous exactement mot que Bernadette et Dio qui rapportait dans le livre là, ma prend mot à mot, Bernadette dit, c'est pourquoi elle est immaculée, habitée par Dieu, ainsi l'Église et chaque chrétien doivent se laisser habiter par Dieu pour devenir à leur tour immaculée, radicalement pardonnée et graciée, afin qu'ils puissent eux aussi être témoins de Dieu. Hein, ouais? Donc, nous avons traduit comme ça, avec un créole qui est un petit peu fixe, qui est clair. Alors, Bernadette dit, Marie sans péché, donc l'immaculée, ça veut dire les sans péché, l'habité par bon Dieu. Donc, bon Dieu habité dans lui-même. Comme ça, l'Église, là, avec chaque chrétien, doit laisser bon Dieu habiter dans lui-même pour être capable de vivre, même Jacques-Marie, immaculée, c'est-à-dire sans tâche, sans péché, pour être capable de jouer un pardon total pour tout péché qu'il fait, pour être capable donc de jouer une grâce, jouer une faveur totale, de telle sorte que yo capable de vivre dans le monde-là des témoins de Dieu. Témoins de Dieu. Donc en gros, c'est ça nous capable de dire sous fait
apparitions. Hein, 18 apparitions. Marie, mère de Jésus, qui présente la tête li comme Sila qui fait sans tâche, sans péché. Donc, Sila qui immaculée conception. Hein, donc, qui gagne une conception immaculée. Alors, c'est ça, ça veut dire, oui. Conception immaculée, ça veut dire. En monde qui conception c'est qui fait immaculée veut dire qui sans tache sans péché donc immaculée conception veut dire c'est là qui fait sans tache et sans péché hein? Donc Marie qui te paraît 17 fois 18 fois pardon là Massabielle là dans grotte là anti dame sa Bernadette il clair il présente il dit moi c'est Marie maman Jésus a moi t'es faite sans tache sans péché recevoir. Et pour tout moi-même, t'es qu'à dédier totalement pour recevoir Jésus-Christ, petit bon Dieu qui t'a pas le fait là. Maintenant, on nous rapidement dit quelque chose tout sur la journée et des malades. Depuis 1992, 11 avec 12 février, ils célébraient à l'aude, hein, la journée mondiale des malades. Ils réunissent donc tous les deux fêtes yo. 11 c'est pour Notre-Dame de Lourdes, 12 c'est pour Journée Malade yo. Donc yo connecté tous les deux. Eh ben ça crivé c'est que dans Journée Malade yo, c'est pas Jean-Paul II qui instituel. Qui dit donc chaque année y a bayon thème c'est un jour pour nous prendre 12, hein, 12 février, pour nous prier spécialement, pour nous prier pour toutes malades. Mais maintenant, nous connaissons l'Église, elle fait la Bible dit, c'est pas prier pour les malades seulement, il faut guérir les malades. Alors, Jésus-Christ, ben, nos missions, il faut guérir les malades. Alors, apôtre, dit, il va le prier à malade, eux-mêmes. Mais là, regardez ça, Jésus-Christ dit, il faut guérir les malades. Donc, c'est maintenant pour nous longer, sous malade, pour malade, capable de guérir. Alors, pendant que nous avons fini, office tout matin, nous avons invité au loger, levez-mère. Levez-mère avec la foi. Et nous avons levé nous, dans la direction, dans toutes les directions, côté nous connaît. Nous avons des gens qui sont malades, connaît. Et nous avons autorité sur toute maladie, et n'a demandé pour Jésus, pour bon Dieu matin, pour lui guérir toute maladie, pour le faire toute maladie vive, pour le battre toute maladie la vie. Levez-mère, et à nous prier ensemble. Non, non, Jésus. Non, non, bon Dieu, papa. Non, non, l'Esprit Saint, moi déclaré, c'est pour toute maladie qui n'a comme joué une guérison. Non, non, Jésus, non, non, bon Dieu, papa, non, non, l'Esprit Saint, moi déclaré, c'est pour toute famille moi qui malade joué une guérison qu'on y a même. Non, non, Jésus. Non, non, bon Dieu, papa. Non, non, l'Esprit Saint, a moins déclaré. C'est pour tout le monde qui est dans l'église, là, qui est malade, qu'on y a même joué une guérison. Non, non, Jésus. Non, non, bon Dieu, papa. Non, non, l'Esprit Saint, a moins déclaré. C'est pour tout le monde qui est malade, qui joue la vie. C'est pour eux tout joindre la vie. C'est pour eux tout joindre la vie selon parole bon Dieu. Selon promesse bon Dieu t'a fait nous. Selon commandement bon Dieu t'a ban nous. C'est pour toute maladie joindre la vie. C'est pour moi-même dans maladie moyen moi joindre guérison connu à même. Dans nom Jésus. Non, non, bon Dieu, papa. Non, non, l'Esprit Saint. C'est pour moi guéri qu'on y a même.
c'est pour moi guéri qu'on y a même. C'est pour moi guéri qu'on y a même. Côté moi malade là, moi posé même sur lit qu'on y a, il me déclarait la guérison. Moi déclarer la guérison. Moi déclarer la guérison. Côté moi malade là, moi posé même sur lit qu'on y a. Nan nom Jésus, ak l'amour bon Dieu papa a gagné pour moi, ak puissance l'Esprit Saint, moi déclaré, moi guéri, moi guéri, moi guéri qu'on y a même. Moi posé même côté moi malade là, qu'on y a même. Moi posé même côté moi t'es malade là. Et moi dit bon Dieu merci pour guérison qu'au ban moi matin. Merci bon Dieu pour guérison au ban moi matin. Merci bon Dieu pour guérison au ban moi matin. Merci bon Dieu pour guérison au ban moi matin. Moi levé même en l'air. Moi bas ou gloire. Jésus n'a grâce ou. Mwen ba ou gloire, bon Dieu papa, nan amour. Mwen ba ou gloire, l'Esprit Saint, nan puissance ou. Ki fait mwen guéri matin. Ki fait mwen guéri matin. Ki fait mwen guéri matin. Mwen ba ou gloire. Mwen ba ou gloire. Mwen ba ou gloire, nan la vie mwen jwenn matin. Dans guérison, moi joigne matin. Dans la vie au bon moi matin. Gloire pour vous, Jésus, dans grâce. Gloire pour vous, bon Dieu papa, dans amour. Gloire pour vous, Esprit Saint, dans puissance. Le Seigneur n'a demandé au matin, ou même qui guérit nous, n'a demandé au matin, continue à soutenir nous. Nous connaissons le combat, nous pas fini. Nous connaissons l'ennemi après continuer à attaquer. Mais bon Dieu, ça ou guérit net. Et ça ou délivre net. Ça ou sauver net. Nous ba ou gloire matin ou même qui guérit nous parce que nous connaissons dans nous même encore. N'a pour nous faire face à l'autre persécution. N'a pour nous faire face à l'autre maladie. Mais maladie ça ou guérit nous matin. Nous connaissons le paquet doit jamais tourner dans nous même encore. C'est ça que fait. Nous ba ou gloire. Et n'a demandé ou t'en prie. Mettez force pas ou là ne force pas nous. Pour l'autre épreuve, pour l'autre persécution, n'a pas le gain pour nous rencontrer. Pour l'autre piège que l'ennemi a pour le mettre sur route, nous. Et le force pas, on ne force pas, nous. Nous pas décourager sous chemin, hein. N'a pas continuer. Parce que c'est vous-même. C'est vous-même même qui confiez nos missions, ça. Nous prions. Au même Jésus, dans grâce, nous prions. Au même bon Dieu papa, dans amour, nous prions. Ou même l'Esprit Saint en puissance, qui vivant, qui régnait, jeudi à demain,